aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte qui s'appelle Flash 8, éditée par Skorkomaski, dont l'auteur est John Dufour. Pour ma part, je trouve cette boîte très jolie car il y a beaucoup de dessins et très détaillés. Mais tout de suite, l'intérieur de la boîte. Alors, nous avons ici l'intérieur de la boîte. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons premièrement une règle et la surprise! Nous avons des pions que nous appelons électrons. Voilà. Des petites plaquettes pour pouvoir jouer. D'ailleurs, en passant par là durant la partie, vous n'aurez pas le droit de les tourner. Sinon, ce serait de la triche. Ici, vous avez aussi trois petites plaquettes pour pouvoir noter vos points. Hop. Et aussi les cartes du mode solo que nous allons voir maintenant. Alors, voici comment va se passer notre mode solo. Avec vos cartes, vous avez formé un carré de 3 sur 3. Par exemple, vous allez vouloir jouer cette colonne. Eh bien, vous devez faire glisser vos pions pour faire notre colonne. Quand vous aurez fait votre colonne, vous allez placer un pion en plus ici. Avec vos cartes, vous allez choisir une des formes pour pouvoir pour pouvoir donner une autre colonne. Par contre, il faut que toutes les cartes soient vidées. Moi, par exemple, j'ai choisi la forme ronde ici et ici. Voici le mode multijoueur. Car comme nous aujourd'hui nous sommes trois, c'est-à-dire Médoudou et moi, nous allons avoir trois plateaux de d'électrons ainsi que trois tas de cartes. Alors, vous allez devoir faire la ligne représentée sur la carte, soit devant vous ou soit celle des autres, car vous n'êtes pas obligé de prendre celle devant vous. Par exemple, celle-là, elle m'arrange bien, donc hop, j'ai fait ça et je peux prendre ma carte. Donc, j'ai un point. Le but, c'est d'avoir le plus de points tout en vidant les cartes. Cette carte-là est très spéciale car elle vaut 2 points. On peut la reconnaître car elle a 2 étoiles. Amusez-vous bien! Mais dis-moi, Léopoldine, que penses-tu de ce jeu? Je le trouve magnifique car il y a plein de dessins et très détaillés. Les règles sont très faciles à comprendre et en mode multijoueur, tu peux jouer de 1 à 4. Donc, ce qui est très pratique avec tes amis. En somme, j'ai un grand coup de cœur pour ce jeu. D'accord, eh bien merci. Au revoir les amis joueurs. Au revoir les joueurs.